Bon allez, ça repartit. Un cours de potion. Salut Hermione. Dis, tu reconnais cette potion? Pas toi, monsieur le champion des potions? C'est pourtant évident. Oui, bon, c'est quoi? Pourquoi me demander ça à moi? Demande au prince de s'en mêler. Ok, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais faire cette potion et je verrai bien ce que ça donne. Alors. De la peau de serpent d'Harmonica. Oh, c'est quoi le truc que je connais pas ça? Jusqu'à obtenir des lambeaux. On mélange. On chauffe quoi. Là on mélange. J'ai trop mélangé. Les sangsues. 7 sangsues. C'est chaud. Merde, il faut être énervé. Putain, je l'ai mis à côté. Des grisons cuites. Bah, elle était bonne en plus. Dose. Elle peut chauffer de ouf. Tiens, vous voilà, Harry. Mais c'est un magnifique polynectar que vous nous faites là. Ah, je suis doué. J'espère que vous n'allez pas le boire. C'est une potion. Il y en a foutu partout. Du polynectar? Vous êtes sûr, monsieur? Absolument, cette couleur grise, cet aspect boueux, tout à fait caractéristique. Mais vous devriez le savoir, mon garçon, vous l'avez faite. C'était juste une expérience. Merci, monsieur. Du polynectar, ça permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Malfoy ferait de ça? Voldemort n'irait pas confier une mission à Malfoy. Tu n'as aucune preuve, n'est-ce pas? Non, pas encore. Mais j'en aurai. Dumbledore te demande dans son bureau pour une nouvelle leçon. Harry, ne va pas lui raconter tes histoires au sujet de Malfoy. Il prépare quelque chose. Il rôde dans les couloirs et a même laissé tomber Crabbe et Goyle. C'est vrai que ça ne lui ressemble pas. Mais rien ne prouve qu'il mijote quoi que ce soit. Alors oh, qu'est-ce qu'il fabrique tout le temps au 7e étage? Mais oui, le 7e étage. Il utilise la salle sur demande.
Ça explique pourquoi il disparaît parfois de la carte du maraudeur. S'il utilise la salle sur demande, tu ne sauras jamais ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on l'utilisait pour nos réunions de l'AD. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes leçons avec Dumbledore. Il t'attend dans son bureau. Oui, elle est toujours là, cette salle. La salle sur demande. Il faut que j'aille rendre visite. Ah, il va m'aider parce que... Eh bien, Harry, vous allez rendre visite à Dumbledore. Il est dans son bureau, je crois. Il s'est beaucoup absenté ces derniers temps. Il est monté, là ? Aller voir Mimi aussi. On a dû lui manquer à Mimi. Serait-ce des écussons? Il est où? Bonjour Harry. Nick. Nick. Ouais, il a disparu comme c'est ça lui. Vite, Harry. Vous n'allez tout de même pas. Ah, t'es passé derrière. Dans la cour du hall d'entrée. Salut Harry. Maintenant c'est ouvert ici. Le professeur Dumbledore. Moi aussi. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu bête. Un serpentard m'a volé ma bave-boule. Un boulurlard que ma mère m'a offert à Noël. C'était qui? Lui. Bouge pas. C'est jeu de boule. Je vais récupérer ta bave-boule. Je vais le défoncer. Hé, hey, c'est toi qui as piqué un boulurlard à la petite fille là-bas. En quoi ça te regarde? Rends-le-lui. Pourquoi? Tu vas me jeter un sort sinon? Je suis sûr que le professeur Rogue apprécierait que tu jettes un sort à un serpentard. Peut-être même qu'il te donnerait une retenue. Stupéfix. Laisse pas faire. Attaque, attaque. Ça n'a pas marché. Et voilà. Maintenant, passe-moi ce boulurlard. J'espère qu'il va te cracher dessus. Et la prochaine fois, réfléchis un peu avant d'attaquer quelqu'un. Pas qu'un rajout de boule. Et voilà. Merci Harry, t'es le meilleur. Suce-acide. Bonsoir Harry. Professeur, au sujet de Malfoy et de... Rogue. Du professeur Rogue. Je te l'ai déjà dit, Harry, j'ai confiance en Severus. Inutile d'en parler plus longtemps. Bien. Passons à la suite. Je n'ai pas trouvé beaucoup de souvenirs de Tom Jedusor à Poudlard. Cependant, j'ai recueilli celui-là. Bonté divine, il est déjà si tard. Il est temps d'aller vous coucher. Lestrange, Ivry, je veux vos devoirs demain. Soyez prudent, Tom. Non, Tom, je ne sais rien des Horcruxes.
Et même si c'était le cas, je ne vous dirai rien. Filez maintenant. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Le professeur Slughorn a falsifié son souvenir. Harry, je t'ai demandé de gagner sa confiance. Maintenant, il faut l'amener à te révéler ce qui s'est réellement passé. Par tous les moyens. Ce souvenir est crucial. Eh bien, je crois que tu as un entraînement de Quidditch, non? Il sera plus facile de t'y rendre maintenant que les aurores ont réouvert certains passages du château. Bonne journée, Harry. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mes faits accomplis. Salut, Harry. Le professeur McGonagall te cherche. Tu sais pourquoi? Non, mais elle t'attend dans la cour de métamorphose. Ça a l'air important. Là, je veux le jouer aux boules. On devrait aller voir McGonagall. On y va. Insister. On joue à la pétanque. Sur ce prince de Saint-Mêlé. Aucun indice. Rien. Bien. Il n'y a sûrement aucun souci. On devrait aller voir McGonagall. Elle a bien insisté. Maintenant, je peux. Incendio ! C'est bien, ils n'ont pas abusé sur les élèves. Parler après les regrettables événements qui se sont produits au terrier après Noël. Pourquoi cela tombe-t-il toujours sur vous quand quelque chose se passe? Croyez-moi, professeur, je me le demande moi-même depuis des années. J'ai appris que vous aviez rejoint le club de duel, Harry. Vous devriez faire de même. Et les Weasley aussi. On n'est jamais trop préparé. Et n'affrontez pas que vos amis de Gryffondor. Ah, voilà la personne que nous attendions. Salut, Harry. Alanis est capitaine du club de duel de Serre d'Aigle. Venez avec moi, Miss Granger. Nous allons vous inscrire au club de duel de Gryffondor. Oh. Tu veux t'entraîner à lancer le Lévi Corpus avec nous? J'ai toujours voulu apprendre ce sort. Ok. Vas-y. Lévi Corpus! Ça, ça a changé par contre. Merci de nous avoir montré ce sort, mais sache que des serres d'aigle risquent de te le lancer lors des prochains duels. Faisons un duel digne de ce nom tant que tu es là. Ils l'ont déjà fait, hein. Le champion junior de serres d'aigle contre Harry Potter. Attaque. Ah, je me suis trompé. Je peux le finir comme ça, quoi.
qui l'a pris. C'est Harry qui gagne. Bravo. C'est exactement comme de l'autre Harry Potter, tu dois faire le geste avec la baguette et tout. Oh, je l'ai défoncé. Merci pour tout, Harry. Et en tant que membre, tu peux utiliser le raccourci derrière le portrait, là-bas. Le mot de passe est « Lumière contre ténèbres ». Ok. Tu devrais participer à notre tournoi de duel. Consulte le tableau d'affichage quand tu te sentiras prêt. Je suppose que vous avez une séance d'entraînement de Quidditch. J'espère bien que Gryffondor va gagner la coupe cette année. Ne traînez pas, Potter. Les fainéants font rarement de grandes choses. Oh. Nick. Oh, mais bonjour Harry. Ah bah. Vous ne devriez pas être sur le terrain de Quidditch avec le reste de votre équipe. Lumière contre ténèbres. Ok. Ça le met toujours dans tous ses états. Passez, mon ami. Même et nous, lui. Ah bah, on a un autre raccourci. On est obligé de passer dedans pour aller derrière. Là, c'est encore fermé. Scarabée Bouilly. On croit que je suis parano, mais c'est faux. Je sais qu'ils existent. Venez, venez, venez! C'est quoi par terre? Un livre? C'est le livre à l'autre? Ah ouais, tu peux le faire tomber, tout à l'heure j'ai fait tomber hier. Comment on fait tomber? Bon, on va faire tomber une. Faut que je cours vite, mais. La prochaine, je la fais tomber. Ah bah y'en aura assis là. Ah mais il court pas vite là. Ah, c'est quoi la touche pour courir vite? Après c'est l'escalier, peut-être il peut pas courir dans l'escalier quoi. C'est ça? J'arriverai pas à le faire tomber, on verra plus tard. Bonjour Harry. Où sont les autres? Ils sont déjà en train de s'entraîner. Super, je voudrais m'entraîner à attraper le vif d'or, tu peux m'aider? Il y a ça le Quidditch dans le nouveau? Aïe. Oh là là, tiens.
tuer tout le monde. Je crois qu'on devrait renforcer notre défense. Les autres équipes ont de très bons gardiens. Nous n'avons pas cette chance. Ron est bien meilleur que toi, McLagan. Je disais juste ça pour rendre service. C'est mon point de vue de gardien. Eh bien, s'il te plaît, va donner ton point de vue ailleurs. Tu ne fais pas partie de l'équipe, avec le balai dans le château partout. J'espère que ça serait stylé. Attends, je te dirai après parce que c'est chaud de lire. Concentre-toi. Il faudrait penser à nettoyer ces lunettes. Quoi, le disait je l'ai là. Je n'ai pas raté un. Oh l'enculard. Sors-nous, lui. Allez! Putain! Tu es doué? Ah ça! Oh putain, je devais la voir! Ok. Franchement, si on peut se balader dehors avec le balai... En Garry's Mod, il y avait un mode comme ça. C'était bien aussi Garry's Mod, le mode Harry Potter quoi. T'avais exactement le même château et tout. Ils avaient mis ça qu'on pouvait voler dans le château, c'était stylé.
Putain, je le rate. Il est trop gros, Harry. Ça donne des coups de pied et tout. Putain. Je peux pas l'attraper avant, il faut que je finisse le parcours, hein. On est d'accord, hein. Il y a un parcours, on dirait, et je dois le finir. Je sais pas, on dirait. Mais je suis pas sûr. J'ai pas eu beaucoup, hein. On va le refaire. Les deux en même temps, moi. Voilà, c'est mieux. 4, je prends. Le meilleur, c'est 5. Bah voilà. Je pouvais faire un truc avec ça, non? Il y en avait un dans l'escalier. Salut Harry, prêt pour le cours de potions? Je n'ai rien trouvé sur les Horcrux à la bibliothèque. Mais j'ai réfléchi. Si tu réalisais une très bonne potion au cours d'aujourd'hui, ça mettrait le professeur Slughorn de bonne humeur. Et il te révélerait peut-être ce qu'il cache à Dumbledore. Oui. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Oh non, pas McLaggen! Comment il a fait ça, lui? Comparé à lui, Grop est un vrai gentleman. Bon, on va au cours de potions. Hé, hey, Granger! Granger! Alors, elle sort avec McLaggen.
Ben, ils sont venus ensemble à la fête de Noël de Slughorn. Ah, c'est pas lui, c'est... Mais ça ne s'est pas très bien passé. C'est l'autre. Ah bon ? Malfoy, Malfoy, je sais pas comment, là. Allons au cours de potions. Je suis sûr que c'est pas le vrai. C'est un escroc. Pourquoi c'est... En plus tout à l'heure j'ai fait une potion pour enfin, j'ai pas fait une potion mais Malfoy il a pris il a fait une potion pour prendre l'apparence de quelqu'un. Je sais pas, il m'a l'air bizarre, non? Hé hey, Potter, je fais partie du meilleur club de duel de Poudlard, Serpentard. Oh, je vais te défoncer. J'ai remarqué que tu te débrouillais plutôt bien. Je te permets donc de me défier en duel. Non merci. On a cours de potions. Vas-y, Qui a dit que tu avais le choix? Stupéfix! Stupéfix! Ouais. Stupéfix! Et allez, mon petit oiseau! Mais c'est super fort ça! Ah, je devais l'attraper là. Allez, je l'ai eu. Lève-toi. À se coucher. Je me suis laissé faire. Bah oui. Va voir notre club de duel dans la cour pavée, si tu veux un vrai défi. Quelle bande de mauvais perdants ces serpentards. Allez, on a cours de potions. On deg. Ça défonce. En plus, ils te mettent des vents. Coucou. Viens mon petit, viens. T'as vu une tour maintenant? Au milieu de la cour. Il glisse et tout. Prends-le, tu l'as? Prends pour moi. Ça sert à quoi ici? Ils ont mis une grande tour, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Bonjour Nick, Ron et moi allons en cours de potions. Il paraît que vous vous en sortez très bien cette année. Continuez comme ça. Ouais, la dernière, je me suis tapé des zéros. Bon, on s'arrête ici. Allez, hein! Ah si, je peux les avoir eux. Stop. Ça suffit. Redescendez tout de suite. Harry,
La meuf. Trouve un moyen de te débarrasser d'elle. Je croyais que vous sortiez ensemble. Oui, mais... Oh, s'il te plaît, dis-lui que je me suis écrasé contre un mur au Quidditch. Elle est casse-couille. Dis-le. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a ensorcelé mes livres. Et maintenant, ils volent dans tous les sens. Descendez, j'ai dit. Je vois. Et à part hurler, t'as essayé quelque chose? Un Wingardium Leviosa, par exemple? Non. Oh, si Ron était là, il saurait quoi faire. Rodron. En fait, tu l'as pas vu? Non. Alors, si je lance un Wingardium Leviosa sur ton sac, j'arriverai peut-être à récupérer tes livres. Sur ton sac? Bon, viens là. Rentre dans le sac, allez. Hop là. Ron a utilisé ce livre pour faire ses devoirs. Merci. Tu es sûr que tu n'as pas vu Ron? Si, je l'ai vu. Il était dans la tour de divination. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah, c'est la tour. Il n'a plus de divination. Il m'a dit qu'il voulait savoir quelque chose d'important sur son avenir. Ça doit être à notre sujet. Oh là. C'est pour ça que je l'aime, mon Ron Ron. Quel con. Il pense toujours à nous. Je l'ai foutu dans la merde. Merci. Prêt pour aller au cours de potion, Ron Ron? Oh, la ferme. Ron, il croit être tranquille. Mais je l'ai foutu encore plus dans la merde. Il sait pas quoi. Hein. Attends. Pour les potions. Elle l'a refaite la pièce. Elle défonce. Plus de place. Ne perdons pas de temps. Nous avons beaucoup de choses à voir. Les antidotes notamment. Alors, qui peut me dire quel est ce poison? Eh bien, Miss Granger, bien sûr. Son antidote est très complexe, et je crois qu'il comprend une goutte d'huile de ricin. Excellent. Harry, mon garçon, quelque chose à ajouter? Oui, on peut faire ça. Ou alors simplement enfoncer un bézoard dans la gorge de la victime. Hein? Oui, oui, un bézoard pourrait certainement faire l'affaire. Excellent, mon garçon, excellent. Excellent. Un bon préparateur de potions connaît toujours l'antidote à ce qu'il fabrique. Ce qui nous conduit à la prochaine leçon, préparer... un élixir d'euphorie. Peut entraîner une envie irrépressible de chanter et des démangeaisons dans le nez si elle ne contient pas assez de menthe poivrée. Alors. Les brins de menthe. Ah putain! C'est Hermione, ça. Un peu trop de fumée, non? Une fille. Un peu de ça, un peu de ça. On chauffe. Très bien, mon garçon. Oh, je suis doué. Cinq haricots magiques, c'est quoi ça? On dirait des mandarines. Ah, j'y vais à côté. Des piquants de porc épic. C'est quoi? C'est où? Ça? Faites un peu attention, Harry. Un peu de ça. On mélange, on secoue. On verse. Oh putain! Nous avons besoin de... Les badges de la fumée. Monsieur, vous avez connu Tom Jedusor, n'est-ce pas? Monsieur Jedusor a eu de nombreux professeurs à Poudlard.
Je sais, monsieur. Vous devez en avoir assez des questions sur Voldemort. Et sur les Horcruxes... Je vous ai demandé de ne pas aborder ce sujet. Mais, monsieur... C'est Dumbledore qui vous a mis cette idée en tête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je veux juste en savoir plus sur Tom Jedusor. Oui, glisse comme ça dans la classe. Un malade. Lumos. Oh, et, mais elle est où sortie? Elle est là. Non, c'est Narsa. Faut plus de sortie. Elle est là-bas. Tu aurais pu me donner un bézoar. J'ai besoin d'une bonne note en potion. Il a fallu que j'amadouce le Gorn pour qu'il me parle de Voldemort. Ah ouais. Je vais me chercher quelque chose à manger. McGonagall veut te voir à la tour d'astronomie. Ah ouais. Ah c'est ça. Pourquoi elle envoie un serpentard pour me prévenir? T'as qu'à lui demander toi-même. Je suis pas à ton service. Mais les aurores ont bloqué la tour d'astronomie. Eh bien, on dirait qu'ils l'ont réouverte. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ouais, c'est ça. Dans plein milieu de la cour. Bah, je crois. Je sais pas. Méfait accompli. Vas-y, on y va. Est-ce que les aurores ont réouvert la tour d'astronomie? Il me semble que oui. Les livres libèrent. Lumen Sicum. Mais qu'on me court vite, Harry. Trop vite. Bouilli, bouilli, bouilli. Oui, je suis sûr qu'ils aimeraient ça. Attends, je peux la voir? Hein? Allez, allez, assiste! Ouais, peut-être plusieurs. Bah voilà! Non, c'est pas la tour d'astronomie, mais je sais pas. C'est quoi au milieu de la cour là?
Ouais, désolé, téléphone. Non, 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 j'aurais bug pas, excuse. Je pouvais pas répondre. Je pouvais pas. J'ai décroché et puis je pouvais plus parler. C'était quoi du coup? La boxe? Je pense que c'est la boxe, non? T'as peut-être une mise à jour boxe? Oh, ça va, j'ai jamais eu de soucis des mises à jour. On dirait qu'il est fait tout seul quoi. Il leur démarre pratiquement jamais. Il me l'a déjà fait une fois ou deux, mais c'est rare. Elle débarque, c'est le même truc. Tu soulèves quoi là? Ah ah! Ouais, c'est qu'il avait vraiment besoin de s'éteindre quoi, c'était une mise à jour où il devait s'éteindre. Eh, c'est pas le même chemin là, on passe par là normalement. Ouais, voilà. Ah non, c'est ici. Même il y avait une gargouille. Je peux pas encore l'ouvrir. Il y a un calna. Nous voilà à destination. Ce fut un plaisir de vous aider. La tour d'astronomie. Qu'est-ce que tu veux, Potter? Éviter de voir un idiot? Ah, pas possible, on dirait. C'est toi le débile qui est venu voir quelqu'un qui n'est même pas là? Malfoy a envoyé ce message. C'est ça, attrape-le! Chope-le! Deux. Allez! Attrape-le! T'es dans la merde, mon gars! Oh là là! Allez, ça dégage. Laisse-moi essayer. Allez, vas-y, Potter. Viens là, toi. Et tu t'apprends de bonnes manières. Je me rate. Expulsion.
Elle peut rien faire là. Où est Malfoy? La puissance de la baguette. Il ne le trouvera pas. Tais-toi, idiot. Faut pas lui dire ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Il sortira pas de là de toute façon. Fous de ma gueule. Non, je joue ça comment? Les fumiers. Ils m'ont enfermé vraiment. Bah non. Non, ils m'ont pas enfermé. Attends. Je vais où par là? Ça amène au même endroit. Chenin. Crabbe et Goyle m'ont enfermé. Je suis sûr qu'ils voulaient m'empêcher de trouver Malfoy. Comment est-ce que je peux sortir de là? Vous allez avoir besoin de ce levier, Harry. Ah. Ce serait plus simple si vous pouviez traverser les murs comme moi. Elle pourrait le mettre. J'en fais quoi? J'ai pas vu où est-ce qu'il fallait le mettre. Là, je peux pas sortir. Bah, faut le mettre là, mais comment on le sort? Je passe par où? Maintenant, je peux pas le sortir. Hein. Ça peut bouger, ça. On le voit que ça peut bouger, mais je fais comment? Et on dirait que ça peut coulisser. Je vois pas du tout l'endroit.
Est-ce que tu vois où est-ce qu'il faut le mettre? Je peux pas le monter ni le descendre, je peux juste faire ça quoi. Dans cette pièce. Entre les bords où il passe hein. Là au-dessus. Ah merde. En haut, il n'y avait rien en haut. Non, ça sert à rien, c'est juste pour visiter. Ouah bah, on va encore une bonne. On descend, descend. Avancer avec lui. T'as comment j'y fais? Reviens avec moi toi. Ah t'as vu il stoppe hein. Eh, c'est bien, tu peux avancer que avec le truc. Ben, j'en fais quoi? Ben, je vais essayer de le choper en haut. Je vais rester comme ça. Ça s'est barré. Ouais, c'est mort. Là, je l'ai cassé. Ah, pour le casser, attends, peut-être. Passer en plusieurs morceaux. Je l'ai reconstruit là-bas. Ah ouais, mais fallait savoir ça. Franchement, je l'ai claqué dans l'armoire. Attends, pose-le. Hop là. J'avais pas pensé à le casser. Donc, Crabbe et Goyle t'ont attaqué. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Malfoy n'était pas avec eux. Parfois, il disparaît même de la carte du maraudeur. Regarde! C'est juste que tu ne le vois pas. Il ne peut quand même pas disparaître. Hein? Peut-être qu'Hermione a raison. Peut-être que je devrais oublier Malfoy et me concentrer sur Slughorn. Mais comment faire pour récupérer son souvenir? Je ne sais même pas ce que c'est, un Horcrux. Ron! Elle est belle, n'est-ce pas? La lune. Ouais. Je pense tout le temps à elle. L'amoureux. Je l'aime. Tu crois qu'elle sait que j'existe? Eh bien, ça fait des mois qu'elle t'embrasse. Qu'elle m'embrasse? Mais je n'ai jamais embrassé Romilda. Romilda? Ron, est-ce que tu as mangé ces chocolats? Ils venaient de Romilda Vane. Ils sont pleins de filtres d'amour. Ah, Romilda. Tu la connais, Harry? Tu pourrais me la présenter? Oui,
Elle est dans le bureau de Slughorn. Oui, et c'est ça, j'en suis sûr. Suis-moi. Salut, Ron. Tu as terminé ton devoir de potion ? Hermione, toi qui es une fille... Ravie que tu aies remarqué, Ron. Tu crois que Romilda préférerait des fleurs ou des chocolats ? Ne t'occupe pas de lui. Il a avalé un filtre d'amour. Je l'emmène dans le bureau de Slughorn. Pour voir Romilda ? Ah, Romilda. Les barres, tu joues... Un bisou. Elle le sait pas encore. Je vais te battre. Là, t'as la main ensorcelée. Quand il marche, un crooner. Ah, c'est des cœurs. Je peux courir un peu. Laisse-moi tranquille. Harry va me présenter à Romilda Vane. Ron, Ron ? Je t'expliquerai tout plus tard. Hop. Bon, on va s'arrêter là.